Démarrer, développer une entreprise, ce n'est pas un hasard, ça ne se fait pas au pifomètre, au gré du vent, pas du tout, et ça peut être parfois difficile. Il ne faut pas se démoraliser, par contre, il existe aussi des gens qui ont une prospérité et qui développent une entreprise rentable et prospère, et voire profitable, je bégaye. Et aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, ce sont les 9 erreurs que vous ne devez pas commettre quand vous êtes au démarrage de votre entreprise. Comme ça, vous êtes sûr d'y arriver. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, bonjour, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Virginie Levrault, je suis coach business, experte en web marketing et formatrice en ligne, et j'accompagne les femmes entrepreneuses à développer du revenu en continu et à créer un impact avec leur activité. Sur cette chaîne, on s'abonne, on met un petit pouce, ou plutôt on met un petit pouce, on s'abonne pour me permettre de continuer de vous créer du contenu sur le marketing, la vente, l'entrepreneuriat digital et un petit peu de nomadisme aussi parce que je voyage à plein temps depuis 2014. Alors, quelles sont ces 9 erreurs que l'on voit le plus souvent commettre les nouveaux entrepreneurs et que maintenant que vous allez les connaître, eh bien, vous n'allez pas les faire. Première erreur, faire semblant de tout savoir. Et beaucoup de personnes, par manque de moyens, par peur, par perfectionnisme, par tout ce que vous voulez, qui vont essayer de faire tout par eux-mêmes. Ils créent leur logo, ils créent leur site web, ils créent leur stratégie, ils regardent la finance, tout par eux-mêmes. Sauf qu'on n'est pas expert dans tout et qu'il y a des gens qui le font très bien. Donc, on met son ego de côté, on met son perfectionnisme, le « je veux tout contrôler » aussi de côté et on s'adresse aux personnes qui sont expertes dans leur domaine. On fait du mentorat, on fait du coaching, on délègue, etc. Et n'hésitez pas à contacter des personnes qui sont dans votre position, à leur poser des questions, parce qu'en fait, il y a quelque chose que vous devez absolument vous rappeler. Un problème, souvent, n'est tout simplement qu'une réponse à une question. Deuxième erreur, être touche-à-tout. Et oui, souvent, quand on démarre, on fait une liste de tout ce qu'on pourrait proposer, ce qui crée différents services, différentes offres, et au final, notre client idéal, qu'on a à peine identifié, ne sait absolument pas où donner de la tête et qu'est-ce qu'il va pouvoir sélectionner dans votre éventail, votre supermarché de services et d'offres un peu dans tous les sens. Alors, c'est assez compréhensible, on ne sait pas trop sur quoi on va se baser, on ne sait pas trop ce qui va fonctionner, on a envie d'accompagner, d'aider, de servir, le mot que vous voulez, un petit peu tout le monde, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que quand vous allez au restaurant, vous prenez le restaurant qui fait à la fois italien, méditerranéen, japonais, chinois, je suis à court d'idées, mexicain, vénézuélien, les burgers. Non, vous allez vous dire, oh là là, s'il est capable de présenter tout ça, c'est que ça doit pas être très bon parce qu'il n'y a pas l'expert du burger, l'expert italien, l'expert des sushis, etc. Et ben, c'est exactement la même chose pour votre entreprise. Troisième erreur, s'occuper uniquement de ses affaires. Alors, on entend, enfin, on connaît l'expression, occupe-toi un peu de tes affaires. Et souvent, on va l'utiliser parce que la personne, elle n'est pas en train de se concentrer sur le développement de quelque chose, mais bien de s'occuper des affaires des autres. Ben en fait, en business, c'est hyper important de s'occuper un petit peu des affaires des autres. Attention, je vais m'expliquer. Si vous n'êtes concentré que sur votre positionnement, que sur vos offres, que sur vous, votre petite personne, eh bien, vous allez rater en étudiant votre concurrence potentiellement des opportunités, potentiellement des inspirations. Attention, on ne copie pas nos concurrents. Ça ne sert à rien. On ne pourra pas s'identifier différent de nos concurrents en copiant ce qu'ils font. On n'oublie pas, pour se différencier, soit c'est notre service qui est waouh, unique, soit notre processus de travail qui est différent, soit notre personnalité, ce que l'on est, qui on est. Donc, copier nos concurrents, ça sert à rien. Par contre, regarder ce qu'ils font peut réellement nous faire aller plus rapidement dans notre business. En gros, pour être très précis, on regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez eux. Et ensuite, on peut potentiellement enlever ou garder des choses chez nous. Quatrième erreur, j'allais faire 5, mais non, quatrième erreur, on dépense sans réfléchir. Quand on démarre son entreprise et même quand on est sur un rythme de croisière, il est important de faire des investissements de son entreprise. Mais quand on démarre particulièrement, il faut bien choisir ses investissements. Et on voit souvent des nouveaux entrepreneurs qui vont finalement s'empêtrer dans leurs finances parce que les premières choses sur lesquelles ils vont mettre leurs moyens, déjà ils vont aller petit parce qu'ils ont peur de dépenser, mais surtout sur des ressources qui ne leur sont pas forcément très utiles. On sait bien qu'il y a toujours des coûts cachés. Tel outil, telle plateforme, tel abonnement, etc. qui vont donc être des dépenses qu'il faut prévoir.
Et quand on monte une entreprise, on peut avoir une vision à très long terme, mais il faut d'abord commencer. Il faut commencer par avoir des clients. Donc vos premières ressources d'investissement, vos premiers investissements sur des ressources, c'est plutôt dit comme ça, il faut qu'ils soient selon des objectifs sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, mais pas sur 3 ans. Donc, on fait un budget approximatif de nos dépenses, obligatoire. On fait un prévisionnel de nos dépenses et on y va, on commence à vendre. Ensuite, au bout de quelques temps, on n'attend pas trop longtemps, on fait un point, on analyse. Et si vous dépensez plus que vous ne gagnez, il est temps de revoir les dépenses et les investissements que vous avez en place. Cinquième erreur, embaucher les mauvaises personnes. Ça paraît évident, le succès d'un projet dépend de la personne qui effectue ce projet. Ça, c'est une évidence. Ça dépend de son travail, ça dépend de son implication, ça dépend de son savoir, savoir-faire, potentiellement son savoir-être, etc. Donc attention à bien identifier quelles sont les capacités, quelles sont les compétences des personnes que vous embauchez. Quand je dis embaucher, ça peut être un investissement avec un mentor, un coach, mais ça peut être aussi tout ce que vous déléguez. Attention, quelqu'un qui démarre n'est pas forcément moins compétent que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, mais vous devez dans tous les cas, pour ces deux types de personnes, vérifier leurs compétences, leur ténacité et leur ambition par rapport à vous, leurs clients. Sixième erreur, le fait d'écouter absolument personne. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs, entrepreneuses aiment parler de leurs talents, de leurs compétences, de leur pourquoi, de qui ils sont, de toutes les idées qu'ils ont en ce moment. Mais malheureusement, ça ne les aide absolument pas à renforcer leur autorité et l'expertise que l'on voit chez eux. Donc parlez de votre cible, parlez de ce que vous allez apporter à vos clients idéaux, à vos clients potentiels. Ne parlez pas uniquement de vous. Vous n'êtes pas si unique, bien sûr que vous êtes vous unique en tant qu'être humain, mais la façon dont vous allez créer votre entreprise, aborder votre entreprise, votre service, vos offres, votre positionnement, eh bien vous devez le tourner vers votre client potentiel, pas uniquement sur vous. Et en se tournant vers les autres, que ce soit vos clients ou potentiellement des partenaires, ça va également vous apporter des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de voir et potentiellement aussi des inspirations. N'écoutez pas que vous qui démarrez, mais bien entourez-vous d'autres personnes pour avoir les idées ou savoir exactement comment répondre à votre client idéal. Septième erreur, j'aurais presque dû commencer par ça, concentrer toute son énergie sur le développement des choses plutôt que sur les ventes. Il faut absolument équilibrer sur, oui, je produis quelque chose, une offre, un service de qualité, mais également de la même manière, je dépense mon énergie sur le fait de les vendre. Si vous vous concentrez uniquement sur la création de votre produit, mais vous n'en parlez jamais, personne ne va l'acheter. Et avoir un produit parfait, d'une qualité exceptionnelle, qui soit le meilleur produit ou service de tout le marché, ben, ça ne sert toujours à rien si vous ne le faites pas savoir. Et vendre, c'est aussi ça. Faire savoir ce que vous proposez, quelles sont vos offres, ce que vous pouvez apporter, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, etc. Donc on se concentre à 50% sur ce que l'on propose, son service, et à 50% sur son marketing. Huitième erreur, on arrive bientôt à la fin. Ne pas avoir de plan stratégique. Vous savez que c'est presque mon mot favori, la stratégie. Donc voilà, c'est ce que je disais un petit peu au début. On ne se lance pas comme ça en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, on y va, on verra bien. » Non, on a un objectif et on regarde toutes les étapes pour y les atteindre. Et dans ces étapes, y a des choses qui vont être de marketing, il y a des choses qui vont être de la vente, il y a des choses qui vont être sur l'amélioration de son service, il y a des choses qui vont être de la relation presse, etc., etc. Quel que soit ce que l'on va mettre, il faut avoir un objectif et un plan stratégique qui découle pour pouvoir atteindre cet objectif. En fait, ce plan business, ce plan stratégique, il va surtout vous servir, bon, déjà à atteindre cet objectif, on l'a bien compris, mais donc à avoir une entreprise qui est prospère et durable dans le temps. Et la neuvième erreur, vous allez peut-être sourire quand vous allez l'entendre, mais c'est d'être impatient. Je ne sais pas si vous le savez, mais 80% des nouveaux entrepreneurs échouent la première année. C'est la phrase. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est pas ça la phrase. La phrase, c'est 80% des nouveaux entrepreneurs abandonnent la première année. Échouer, pas forcément. Mais ils sont tellement impatients qu'en fait, ils ne voient pas décoller les ventes à hauteur d'ambitions qui sont un petit peu surévaluées. Et donc, ils vont abandonner. Donc, on considère que c'est un échec.
La patience est une vertu, la résilience est une vertu. Mais surtout, si vous êtes patient, ça va vous donner le temps de faire ces fameuses étapes de votre plan stratégique qui sont logiques pour une prospérité et une durabilité. On pose des bases solides, on ne se met pas sur du sable, on voit ce que ça donne, on fait au pif au mètre, mais surtout, faut que ça aille vite parce qu'on est super impatient. Ça ne marchera pas. En le disant comme ça à haute voix, on comprend que oui, ça ne fonctionnera pas. Alors on va me dire, oui, mais bon, c'est facile de dire qu'il ne faut pas être impatient, ça n'empêche pas qu'à un moment, faut payer les factures, pour le côté financier, ou tout simplement, on a envie d'avoir ses prémices de réussite. Alors dans ces cas-là, la chose qui peut être intéressante de faire, c'est se donner des petites étapes. Si vous voyez tout de suite en vous disant, ok, ce que je veux atteindre, c'est ça dans 3 ans, c'est trop loin. Donc forcément, pendant 3 ans, vous êtes impatient, ça ne vient pas, comment je vais faire? Vous n'avez pas de petite réussite. Et en fait, petite réussite, je ne voudrais même pas dire petite réussite, des réussites. Donc mettez chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, etc. des étapes à atteindre qui vous permettent de faire cette grande image d'objectif global. Et vous allez vous dire, ok, en fait, j'étais impatiente, mais non, parce que cette première semaine, j'ai réussi à faire ça. Semaine prochaine, ce sera ça, ok, j'ai réussi. Et en fait, vous allez vous rendre compte que tout petit à petit, les choses avancent et donc ça va combler cette impatience que vous pourriez avoir. Alors, que pensez-vous de toutes ces erreurs? Mettez-moi dans les commentaires quelle serait la plus grosse erreur que vous auriez fait quand vous avez démarré ou alors que vous êtes en plein dedans. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas le pouce bleu et on s'abonne pour m'aider à continuer à vous créer ce beau contenu de la vente, du marketing, de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas, il y a plein de vidéos sur la chaîne pour ça. Je vous dis à bientôt. Salut!